L'armée américaine a maintenant abordé et parfois franchi la ligne Siegfried. Ces bornes de ciment qu'on appelle dents de dragon n'ont pas arrêté la marche des chars. L'infanterie y suit. Les villages allemands que leur rempart de forteresse n'a pas protégé sont conquis l'un après l'autre. Les chars ont ouvert le feu sur celui-ci, où l'ennemi s'abrite encore, pas pour longtemps sans doute. Le nettoyage est commencé. Le char s'avance seul d'abord. Mais il ne voit pas assez clair pour déceler tous les pièges qui peuvent le guetter et nettoyer chaque maison. Les fantassins, moins bien armés, mais plus souples, doivent compléter son action. Ils demandent d'abord à ce seigneur aide et protection, puis entrent en jeu à leur tour. La patrouille progresse de maison en jardin, de jardin en maison, de ruelle en ruelle, dénichant de temps à autre ces soldats qui s'écroulent ou qui lèvent les bras comme des dormeurs qui s'éveillent, leur rêve terminé.